Hey, bonsoir à tous et à tous et bienvenue pour un épisode sur Fornor et bienvenue pour l'épisode 9 de la série et bienvenue pour l'épisode 9 du moins de la campagne surtout. Aujourd'hui on se retrouve pour bois, fer et acier. Sachant qu'aujourd'hui actuellement il se passe le mode Event Halloween que je ferai sûrement dans une des prochaines vidéos. Voilà, je ne sais pas quand, sûrement après la fin de la campagne. Voilà, je vous le dis, il y aura sûrement un épisode qui sera bien en retard mais ce sera l'Event Halloween. Vous verrez bien tout ça. Allez, reprenons un peu la narration d'Apolline comme ça, pour se remettre dans le bain. Les Vikings faisaient maintenant front commun contre nous. J'avais laissé une partie de mes obsidiens garder les chantiers navals de Valkenheim. Stigander, leur nouveau chef, ne comptait pas nous les laisser. Ok, très bien. Donc, élément d'observage 5, l'élément destructif 5. Très bien. Certaines traditions de notre peuple sont aussi vieilles que la pierre. Le solide bouclier se prête à bien des usages. Nos épées sont mortelles, d'une simplicité jamais surpassée. Et un chef qui ne mène pas la charge n'a rien d'un chef. On nous appelle les Jarls, un nom qui se mérite. Nous sommes... Et nous resterons le bouclier de notre peuple. Ok, je trouvais ça très long. Mais très très bien. Très bien. Donc on va jouer le Jarl. Le Jarl donc... qui s'appelle Stigander. Oh, il est très stylé en tout cas. Alors par contre, on va pas prendre... Alors on est un tank. Autant la régénération passive, on va dire oui. Mais on va prendre Corias. Et alors, qu'est-ce qu'il pourrait se prendre? Tous les dégâts affichent plus de 10% de dégâts, ouais. Voilà, tu vas prendre égratignure et coriace 1, très bien. Allons-y. Voilà. Donc on va jouer un Jarl. Alors déjà, je n'aime pas jouer Jarl de base en multijoueur et je ne sais pas et je ne crois que je n'aime pas l'ancien Jarl non plus. Voilà, donc on va essayer de se rappeler. Je sais qu'il a une protection intégrale. Mais après, je ne sais plus du tout. Il a un coup de boule. Et c'est tout, je crois. C'est tout ce que je me rappelle. De toute façon, un Jarl... Le Jarl, c'est très simple de gameplay. En tout cas, c'est simple, mais c'est compliqué à jouer, en fait. C'est ça qui est... C'est la difficulté. Et d'une certaine manière, j'ai du respect pour ceux qui jouent Jarl. Parce que c'est vraiment pas un perso qui est très facile. En tout cas, tous ceux qui jouent Jarl, très agressif. Surtout. Parce que ceci mérite tout mon respect. Voilà, tout simplement. Encore une fois, le temps de chargement de l'infini. Qui va se terminer d'ici quelques secondes. Allez. Allez. Il nous faudrait des navires. Et je brûlais d'envie de me remettre dans le bain. Très bien. Donc, ok, ouais. Je sais pas ce qu'il dit, je sais pas du tout. Ce n'est pas grave, ok. Donc, on arrive. Ça reste stylé. Frappe ciblée, petit coup plus gros coup. Ouais. Fais des dégâts au moins, c'est ça qui est bien. Très bien. Avec le son, des voix sont toujours très faibles et malheureusement je vous prie de m'excuser parce que pourtant j'essaie de faire en sorte que non. C'est stylé, c'est très très stylé. Par la barbe d'Odin. Invasor! Bellicum canite! Ces obsidiens n'étaient visiblement pas fichus de fortifier nos défenses. Oh, des pots! Allez! Très bien. Ok, on est parti. Ok, objectif, on trouve tous les bignous. Tac! Hop! Ouïa! Et hop là! Et hop là! Bonk! Bonk! Voilà, parfait. Ok.
Vas-y, attends, vas-y. Ouais, c'est pas... Je crois que c'est en imparable maintenant, ce coup-là, hein, que j'ai fait. Bon, en attendant, c'est pas mal. Pas que j'oublie de loot, ce serait bien. La scie. Oula. Non! Un tank contre un tank. Bien là. Allez, ramène-toi. Tu es trop faible. Pour me... Ah! Deux bouts de bois. Attends, y'a pas un coup genre ça. Attends, je vais tenter un coup. Voilà, ça. Il semblait bien qu'il y avait 5 coups comme ça. Là, il y a des pots et il y a surtout une scie. Très bien, 2 éléments sur 5 acquis. Et là. Une fois l'obsidienne chassée de Valkenheim, les Vikings allaient remettre en route leur chantier naval et leur scierie. Il leur faudrait ensuite une cible. Ok, c'est bon, c'est pas mal pour le moment. Bonsoir, messieurs. Ouais, ouais, je sais qu'elle est la défense totale. Je joue victimaire. Hop là. Ah, c'est vraiment pas un perso. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le dash avant aussi. Oh. Allez. Ah, c'est vraiment un perso de merde. Voilà. Dégagez. Ok. Prend quand même pas mal de coups. Non, explorons. Ah mais si, je reconnais la map, on est en tribu. On est sur la map de... On est sur une map de... D'un mode de jeu qui est totalement mort. C'est stylé encore une fois. Encore une fois et toujours. Il y a des pots là-bas. Il y a beaucoup de trucs. S'il n'y avait rien, on est d'accord. Ok, avançons. Peut-être ici, non, il n'y a pas de peau. Par ici, il y a une flasque, c'est bien. Il y a moyen de faire brûler quelque chose? Non. Très bien! On avance. Je ne vois pas de point intéressant en particulier. Va monter, en espérant qu'il me redonne de la vie. Non, c'était salaud. Putain, le Jarl, hein, vraiment... vraiment pas un perso que je trouve très intéressant à jouer. Pour plein de raisons. Oh my. Voilà. Parfait. Ça marche très bien les flasques. Juste. Voilà, là il y a des pots. Bien. Allez. Si j'ouvre le portail, ça va être la merde, non? Attendez, j'ai envie d'explorer. Je m'autorise à explorer d'abord. J'explore d'abord. Quitte à crever. Il y a là, et par exemple, il y a des pots. Tyson. C'est un peu exagéré pour ce genre de... De faire des animations pareilles pour des pots. Ok.
Oh. Les Vikings avaient mis des dizaines, des centaines d'années à construire leurs colonies et leurs chantiers. Un an avait suffi à tout dévaster. Les salauds. Il y avait des pots derrière au-dessus en plus. Là j'en ai rien. Ok. Et là-dedans, il n'y a l'air de rien avoir de plus non plus. Je fais des misclics des fois, c'est incroyable, c'est effroyable. C'est je fais des gros coups dans le vide. Bon, avançons un peu. Allons-y. Ok. Très bien. Est-ce que si je prends ce scorpion, j'ai l'angle? Bien sûr. Comment ça? Oh, ils sont passifs. Merde. Est-ce que je peux péter des pots avec? Non. Ça charge vite cette merde, hein. Il y en a une autre. Peut-être l'angle. J'ai un angle en plus là. Ouais, ouais, c'est... Bon. Let's go. Allons-y. Ok. Tech. Wouah. Ok, j'ai trouvé toute la ferraille. Il manque 3 éléments. Alors, j'ai plus trop de souvenirs de la map, mais j'ai pas souvenir qu'elle soit très grande, donc... Explorons. Là, genre. Les clans vikings ne s'unissent pas à proprement parler. Les alliances sont monnaie courante, mais fragiles. Par clan de la Grande Horde, il faut entendre les clans qui ne parviennent pas à vaincre la Grande Horde. Ça reste stylé, quoi qu'on en dise, hein. Ça reste stylé. Les pots, je les ai pétés. Là. Les Vikings ont de grands récits pour justifier les monstres qui ornent leurs navires. Mais l'explication la plus simple est la meilleure. Ils sont là pour effrayer leurs ennemis. Très bien, très bien, très bien. Et je crois que ça va être tout. Hein. Et... Il va m'en manquer un. Hein. Je vais voir le seum. Je vois pas où il est. Donc, où est-ce qu'il pourrait être? Il est après l'ouverture de la porte? Voilà! Les runes des Vikings et notre alphabet doivent avoir un ancêtre commun. La différence, c'est que nos lettres s'écrivent avec une plume, quand les leurs ne nécessitent qu'un burin. Ok, on m'ouvre la porte. On a tout? On a tout. Très bien, j'ai regardé sur le wiki où il était le dernier. Au cas où. Allez, c'est parti. Baston. Qu'est-ce que vous allez faire? Merde. Bourrinage. Comme ennemi à la balise, faut que tu joues les archers. Voilà, c'est tout. Oui, bah et faites pas les malins là, les gens. Hein. Vous faites empaler un par un. Ah merde.
qu'est-ce que c'est que cette... Qu'est-ce que c'est que ce déplacement? Où le dernier? Je vois pas de dernier. Oh merde! Mais c'était à chier! Je dois atteindre la baliste. Nya 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 nya. Oui 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 oui, c'est bien. Voilà, la baliste elle est atteinte. Je plaignais presque les chevaliers. Allez. J'ai compris, il faut péter les archers. Le problème, c'est qu'ils font des mouvements bizarres. Ils moonwalk, et bien s'ils veulent. Non, c'est bon, j'ai tous les pots. Allez, défendez votre terre, Viking. Il a fait un... Ils font de ces mouvements. Ok. Bonsoir, messieurs. Par la barbe d'Odin. Allez. On va faire un duel. Et un là. Et hop là. Et hop là. Et hop là. D'accord, dommage. Hop là. Non ? Non, c'est quelle touche pour Ah voilà, comme ça, je me suis... En fait, si j'ai juste trompé de touche. Tout à l'heure. Ok. Bon. Les pots, on va les ignorer parce qu'on les a déjà pris. Salut, Julius. Tu allais être un sac. Bouffe. Bien esquivé. Bouffe. Wow! Nope! Tu bouffes! Et tu meurs! Parfait! Bien voilà! Ils avaient un sacré trésor de guerre. D'où ça peut venir, ça? Des bateaux samouraïs à la dérive, remplis de ces trucs. Les Weebs. Les samouraïs! Des faibles. On est 10 fois plus nombreux qu'eux. Leurs affaires sont prospères. Nous aurons besoin d'une flotte. Hmm. Le pillage. Oui. Nous appelait. Et c'est comme ça qu'on va partir chez les Weebs. Allons-y. Récompense de mission, éléments observables, destructibles, trouvés. Pourtant, il n'y en avait pas beaucoup, mais j'ai trouvé ça plus chiant que sur les autres jeux, sur les autres maps. C'était pas grave. Très très courte encore une fois la mission, bah c'est pas grave, tant mieux. Écoutez, récompense de mission, emblème et tout, très bien, très bien, très bien. Et bien voilà, un épisode de conclu en plus, voilà. Et on se rapproche, on a dû faire bientôt la moitié. On a fait, je crois, la moitié de l'histoire. Apollyon ? Non ? Y a pas d'histoire, Apollyon ? Non ? Tu me fais juste un joli tracé ?
Oh, je suis déçu. Oh, choupette. Bon, en tout cas, c'est stylé. Il y a 10 ans, il y a 8 ans. Donc, ça a pris 2 ans pour aller frapper chez les Weebs. Et bien sûr, ce c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve bientôt pour la suite de la série. Je vous fais à tous de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Allez, zou.